Voilà, bienvenue sur Télé Afrique. Une très 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 bonne nouvelle. Hein. Aujourd'hui, je suis très 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 content. Voilà, nous sommes à Yamsoukro, précisément dans le village de Dougounou Kouadiokro, appelé aussi Kikro. Et juste derrière moi, vous voyez la grande voie de Daloa, la voie qui va à Daloa, Boaflé et jusqu'au Libéria, jusqu'en Guinée. C'est la voie qui est derrière moi, c'est là-bas où vous voyez les véhicules passer. Et là, c'est le quartier que j'ai surnommé dans nos présentations, le quartier Zama, à Yamsoukro, Dougounou Kouadiokro, juste à 6 minutes du centre-ville. Et ici, j'ai mon premier voisin. Allons-y. Ça commence un peu. Une très, très bonne nouvelle. Donc, je suis Dadou Henri Joël Zama. Voilà, PDG de l'entreprise Télé Afrique Group. Nous exerçons dans l'immobilier, la vente de terrain, la vente de maisons au niveau d'Abidjan. Et on fait la construction aussi de logements. Donc, quand vous avez votre terrain, on fait le devis et puis on fait la construction pour vous. Sinon, vous pouvez aussi souscrire pour nos différents projets immobiliers. Ici, nous avons lancé plusieurs promotions pour la vente de terrain. Il y a beaucoup qui ont acheté, qui ont commencé à construire. Et là, mon premier voisin. Voilà, mon premier voisin est là. Vous voyez? Voilà, juste derrière moi, c'est le terrain qui est nettoyé ici. Là, celui-là, il a deux terrains collés. Lui, il a commencé avant mon voisin qui est derrière moi. Voilà, donc ici, vous voyez comment on travaille de façon intelligente. C'est un terrain de 500 mètres carrés. Ici, vous avez la première borne. L'autre côté, tout au fond, vous avez la deuxième borne. Et puis là-bas, vous avez la voie. Voilà, donc ici, pour le moment, vous savez, dans la vie, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Donc, c'est quelqu'un comme vous, hein, comme tout le monde. Voilà, qui a fait l'Europe aussi, tout ça. Et là, il a acheté son terrain à Yamsoukro, dans le village de Dougounou Kouadiokro. Ici, il va faire sa petite ferme, tranquille. C'est d'ailleurs une grande ferme. Donc, pour le moment, il a stoppé et il a mis la priorité sur ses maisons. Donc, ça, c'est trois grandes chambres, des studios. Voilà. Et depuis hier, il a déménagé. Voisin, tu n'as pas encore envoyé ma bouteille de liqueur, hein? Hein? Droit de terre. Donc, vous voyez, quand on vous dit, ceux qui demandent s'il y a courant, s'il y a l'eau, s'il y a tout ça là, regardez, hein, je ne vais pas filmer hein, la chambre, mais vous voyez une ampoule qui est allumée là-bas. C'est la magie. C'est comme ça, quand tu veux là, tu peux. Vous ne voyez pas de poteau électrique ici, mais le monsieur a l'électricité. Ce n'est pas l'énergie solaire, hein, c'est le courant que vous connaissez là. Voilà. Donc, vous avez son disjoncteur qui est là. En Afrique, on travaille par solidarité. Donc, c'est sur la même connexion où moi, je suis connecté sur mon compteur là. Et puis, voilà, on s'est débrouillé pour faire passer les fils quelque part là-bas. Le temps de pouvoir avoir d'autres voisins et puis se cotiser pour pouvoir mettre des poteaux électriques. Mais le plus important, c'est que ici là, ce monsieur ne va plus payer de loyer en Côte d'Ivoire ici, à vie. Il peut vivre ici 100 ans. Les humains vont pousser à côté de lui. Le jour, il a l'argent. Tout cet espace-là, c'est pour lui. Ça ferme ça, d'ici peut-être 6 mois ou bien 1 an, ça peut rembourser l'argent du terrain. Et là, s'il n'a pas pu faire immeuble, ses enfants vont faire immeuble. C'est son terrain à vie. Et du coup, les terrains qui sont à côté là, ceux qui vont vendre là, quand ils vont venir présenter à leurs clients maintenant là, ils vont dire, mais voici quelqu'un qui vit là, qui a l'électricité, qui a tout. Et ces terrains là, vous les voyez comme ça, mais ça a pris de la valeur. Pourtant, ces terrains étaient au même prix. Mais du moment où lui, il a construit, il habite là, il a l'électricité, il habite là, ces terrains-là vont ont déjà pris de la valeur, pas vont prendre de la valeur. Donc, n'attendez pas de dire qu'est-ce que les gens habitent là-bas, est-ce qu'il y a l'eau, est-ce qu'il y a courant. Quand il y a tout ça là, le prix des terrains augmente. Ici, j'ai lancé plusieurs promotions. Des gens ont souscrit, d'autres ont acheté cash. Donc, on a encore quelques terrains sur ce site-là. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez, mais ce n'est plus de la promotion. Mais vous nous contactez, on va s'entendre. Donc voici mon nouveau voisin qui est là. Je suis venu rendre visite. Tout à l'heure, il va envoyer ma bouteille de liqueur. Il va envoyer ma bouteille de liqueur. Et puis, on verra bien. Donc là, avec nos fameux maçons. Voisin, tu as quelque chose à dire? Ah, d'accord. Rien que la joie. Un Bengis, hein? Mais...
un Bengis. Voilà. Donc, voilà, un Bengis, hein, voilà. Bengue là. Voilà. Il connaît ça, lui, quand fatigué. Mais ici, là, lui-même, matin, midi, soir, il est sur son petit chantier. Voilà. Il marche, les il vient doucement, doucement. Ouais. Lui-même, il est manawa, il est manawa de ses maçons. Voilà. Mais, le charbon est là. Voilà. Ça, ce sont les arbres qu'on a coupés sur son terrain. Voilà. Pourtant, il peut dire qu'il est quitté en France ou bien il est quitté quelque part là-bas. Il allait payer terrain aux deux plateaux. C'est lui qui connaît sa poche, c'est lui qui connaît ses objectifs. Il a décidé de s'installer à côté de moi ici. Aujourd'hui, là, ça fait deux. Il y a une troisième personne qui a fini sa villa quelque part là-bas. D'ici l'année va finir, je sais qu'on sera au moins 10 ou bien 20 sur ce site-là. Voilà, en ce moment-là, on vous attend. Vous êtes venu payer terrain 15 millions, 20 millions. Ça, il va faire du charbon. Voilà, ici, il y a déjà sa fosse septique. Voici la douche pour les visiteurs. Dans les chambres, il y a les toilettes, hein, la chambre principale. Donc, c'est simple, hein, trois chambres. Simple. Voici son bâtiment. Tranquille. Son bâtiment, non, les autres, ici, là. Ici, c'est un peu à cause de l'intimité. Donc, vous voyez, trois chambres. Ça, c'est une chambre. Ça fait déjà un studio. C'est un peu comme chez moi, hein. Le milieu, là, il peut utiliser comme, comme salon ou bien magasin. Et puis là-bas, peut-être chambre pour les enfants ou bien pour les visiteurs. Il est tranquille. Tout ça, tranquille. Demain, il va mettre ses poulets ici, il met son chien. Tous ceux qui vont venir passer ici, là, vont venir boire de l'eau ici. Bon, à cause de la lumière, parce qu'il fait nuit. Donc, c'est pas la peine, c'est pas grave. C'est pas grave pour eux. Ils ont déjà compris, c'est pas grave. Voilà, donc, venez, nous-mêmes, on est ici, là. On donne l'exemple. Faites comme nous. Hein? Faites comme nous. C'est vous qui voyez dans votre poche. Ne cherchez pas les deux plateaux, là, c'était brousse comme ça. Au plateau même, là, c'était brousse. Le plateau n'est pas né comme ça, mais jusqu'à présent, il y a les nouveaux immeubles qu'on construit au plateau qui n'ont rien à voir avec les anciens immeubles. Vous voyez. Donc, voilà, on vous encourage, venez un peu. La capitale, c'est à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Qu'on veuille ou pas, cette ville-là est déjà tracée, elle sera construite. Donc, c'est le moment de venir vous installer un peu. Voilà d'autres. Ces deux terrains, là-bas, ça lui fait 5 studios. Qu'il est en train de faire un peu. Déjà, celui-là habite ici, alors que c'est l'autre qui a commencé premier. Un peu, demain il va finir. Gestossi est juste à côté. Mais les travailleurs de là-bas vont venir louer des studios ici, pour le moment 30 000, en ville là-bas, au centre-ville. Un studio à Yamoussoukro ici, 90 000, 100 000, 80 000, 70 000, un studio. Donc, le gars travaille à Gestossi, c'est juste à côté, il peut marcher pour partout, ou bien taxi 200, ou bien le bus 200. Mais s'il y a des studios ici, à 30 000. Mais le monsieur va louer avec sa famille pour économiser. On travaille pour acheter mouton et non pas pour devenir mouton. Donc, voici ça un peu. Voilà. S'il a sa moto, tranquille, doucement, il va en ville, il fait ses courses, il achète la nourriture pour ses poulets. S'il a quelqu'un qui travaille avec lui, la personne peut dormir ici. Il peut bien suivre son projet. Voilà. Donc, c'était moi. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.